pour m'avoir invité à participer à cette séance spéciale de l'Académie du Royaume dédiée à la mémoire de notre collègue et ami Abdelatif Berbige, votre prédécesseur. J'eus l'honneur d'être reçu par lui lorsque feu Sa Majesté Hassan II, qui m'accorda sa confiance pendant plus de 20 ans, me trouva digne d'occuper l'un des 60 fauteuils de cette noble assemblée et de l'insigne privilège de faire d'autant d'éminentes personnes de grands amis dont, hélas, l'implacable temps décima douloureusement les rangs. Mes amis de l'Académie française et sous la coupole de l'Académie française aussi des amis qui furent les grands amis d'Abdelatif Berbiche, j'évoquerai la mémoire de Maurice Druon, de Georges Vedel et de Jean Bernard qui contribuèrent à lui attribuer le grand prix de la francophonie de l'Académie française en 1998. Faut-il préciser que mes liens avec Abdelatif Berbiche prirent naissance bien avant que ne se décide cette exceptionnelle rencontre. Collègues, nous le fûmes ensemble en maintes circonstances, professionnelles, mes amis bien davantage encore. Une autre raison en fut grandement la cause, puisque son épouse, Assia Chaouni Berbiche, partageait avec moi la même spécialité, l'ophtalmologie, mais davantage encore l'amitié qu'il y a nos deux familles aussi longtemps que l'occasion le favorisa. Que notre ami et ses enfants voient en ma présence les marques tout à la fois de ma tristesse à la disparition de ce grand ami et l'expression de ma profonde amitié. Elle ne s'étonnera pas que j'ai choisi un thème d'ophtalmologie pour honorer la mémoire du cher Abdelatif. Il aurait pu en partager le discours aussi bien vous le livrais-je pour lui. Les statistiques de l'OMS font état de près de 60 millions d'aveugles de par le monde et de 130 millions de profonds malvoyants, ne pouvant exercer une activité rémunératrice et nécessaire au soutien de leur famille. C'est un problème de santé publique majeur. Les causes de cécité en sont nombreuses et de causes très diverses. Et certaines ont déjà été prises en considération parce que leur diagnostic était le plus aisé et leur traitement accessible. Elles furent l'objet d'émissions internationales, parmi lesquelles se situe celle de l'Organisation pour la prévention de la cécité française, que j'eus l'honneur de présider jusqu'à il y a encore peu d'années. Des missions dont les résultats sont réconfortants, puisque nous pouvons penser que nous avons éliminé un certain nombre de maladies, que le trachome qui était l'une des maladies dévastatrices de la misère, de l'absence d'hygiène, des terres désolées et sèches de la planète, le trachome a été pratiquement éradiqué, même si on peut encore agir comme nous le faisons par l'OPC au Tchad, en RCA et au Cameroun, il reste encore quelques foyers. Mais n'a-t-on pas aussi pratiquement éliminé l'oncocercose, cette filariose qui, par le triomphe de la pharmacologie, sous la nature de l'ivermectine qui a été découverte par les laboratoires Merck-Sharp-Dohme, qui en ont fait don à l'humanité et qui a permis, en étant distribué à la dose de 1 comprimé par an à des millions d'Africains, d'éradiquer pratiquement cette maladie grave et qui entraînait non seulement la cécité de l'adulte, mais aussi l'analphabétisme de l'enfant qui était consacré à sa vie domestique courante. Enfin, l'autre problème énorme était celui de la cataracte, maladie si banale,
qu'on connaît depuis 5000 ans et qu'on opère depuis 5000 ans. Elle représentait 50% de ces cités. Et elle a été l'objet d'un déploiement de forces, d'abord de détection, diagnostic, à l'intérieur des plus petits villages, et en Afrique, en Asie, et de développer aussi des campagnes de diagnostic et de traitement dans des centres situés en Afrique, et qui désormais on traite la cataracte avec les mêmes méthodes que dans les pays les plus dotés. Ces trois causes sont une victoire des efforts que tous les pays ont faits pour les traiter. Elles méritent encore notre attention, mais d'autres défis nous attendent. Et des défis qui ne sont pas loin du thème de génétique dont s'éloigne ma conférence, car le glaucome, le diabète et la dégénérescence maculaire liée à l'âge ont aussi un support génétique important. Ces maladies s'imposent à l'humanité d'une façon assez dramatique. Le glaucome, c'est une maladie du nerf optique qui est associée le plus souvent à une forte augmentation de la tension oculaire. Et son drame, c'est qu'elle est méconnue du patient jusqu'à ce que l'on constate qu'il a une très grave altération de son champ visuel et qu'il a une chute d'acuité visuelle qui survient presque inexorablement et de façon brutale, terminale. Le glaucome ne peut être connu donc que grâce à un dépistage, par des examens systématiques et traité par... impérativement par un traitement permanent et qui suppose accompagner cette maladie toute la vie durant. Le glaucome, en 2015, c'est 67 millions de patients, 7 millions d'aveugles. C'est la première cause de cécité irréversible. En 2020, la prévision annonce 80 millions de glaucomateux dans le monde, dont 15% seront aveugles à coup sûr. Et en Europe, le risque pour un patient glaucomateux de cécité uni ou bilatéral est de 20%, et cela même en dépit du traitement et d'une surveillance étroite. Ce glaucome pose donc des problèmes considérables dans les pays aux revenus limités. Car il faut le dépister. Et le dépistage, c'est un examen systématique, c'est-à-dire de tout le monde, de toute personne âgée de plus de 45 ans. La nécessité pour le dépister d'en faire un diagnostic précis, c'est celui d'un appareillage très coûteux. Et surtout, le diagnostic posé, c'est la nécessité d'un traitement médical ininterrompu pendant des années. Et bien évidemment, au-delà des ressources actuelles de la plupart des habitants des pays à faible revenu. Car il faut dire que l'adjonction d'un collyre une fois, deux fois, trois fois par jour et quelquefois de deux ou trois collyres dépasse largement les moyens d'un villageois africain lorsque ce traitement doit être poursuivi au long terme. Et le traitement chirurgical, car il faut dire qu'en Afrique, le glaucome est particulièrement fréquent, il est particulièrement évolutif, et souvent, le seul recours est un traitement chirurgical et au résultat inconstant. Et bien sûr, non seulement il faut le diagnostic traiter, il faut surveiller, ce qui impose au pays des conditions très particulières médicales, et vous comprenez que le glaucome est un des grands problèmes de l'avenir. Un autre problème, c'est le diabète. En 2000, 150 millions de diabétiques étaient, signalés. En 2013, 400 millions. Et les prévisions pour 2025 sont de 450 à 500 millions. Progression alarmante. Et la rétinopathie étant
à peu près inévitable après 10-15 ans d'évolution du diabète, on peut dire que la cécité est aussi le corollaire de cette maladie diabétique. La rétinopathie diabétique, elle est insoupçonnée pendant longtemps et elle atteint 80% des diabétiques de type 1 ou 2. 2% des diabétiques depuis 15 ans sont aveugles et 10% ont des troubles visuels sévères. Et le problème est d'autant plus grave que, pour la France, dont on connaît bien l'état, on dit que jusqu'à une période récente, un diabétique sur deux ignorait qu'il l'était. Et d'autre part, qu'un diabétique se sachant diabétique ne consultait un ophtalmologiste qu'une fois sur deux. Ce qui laisse entendre que dans les pays aux conditions de diagnostic et de traitement limitées, le diabète constitue aussi un problème majeur. Car il y a une impérative nécessité du diagnostic, là encore, et du traitement. Car reconnue et traitée, la rétinopathie diabétique permet à 90% des patients de conserver une capacité visuelle utile. Mais encore faut-il pouvoir surveiller l'évolution d'une rétine diabétique sur plusieurs années, donc ce qui suppose des contrôles réguliers. Et d'autre part, les traitements reposent sur un appareillage très coûteux, ce sont des lasers, qui permettent, depuis 15 ou 20 ans, de sauver la vision centrale, la vision maculaire, et de conserver un compromis visuel tout de même souhaitable. On peut imaginer que pour les pays les plus pauvres, c'est un problème insoluble. Donc, ce défi, c'est en faire le diagnostic et le traiter. Et jusqu'à une époque récente, c'était une maladie des pays les plus riches. Mais hélas, ou plutôt heureusement, l'alimentation des populations s'étant considérablement améliorée, on voit ce facteur parmi d'autres, de plus en plus fréquemment des diabétiques dans les pays en voie de développement. Je vous l'ai dit, la surveillance et le traitement est fort coûteux. Il a été estimé récemment à 400 millions de dollars pour le monde. Mais, remarque tout de même un peu gênante, c'est que 80% de cette somme sont consacrés à 30% des diabétiques mondiaux. Et je peux dire que l'Inde, qui en affiche 15%, consacre moins de 1% de cette somme à leur traitement. On peut dire que le diabète, dans les pays à faible revenu, submergera les systèmes de santé et entravera même la croissance économique de ces pays si on les prend en charge. N'est-ce pas un énorme défi posé à l'humanité? La maladie commence par des petits signes au fond d'œil, avec des hémorragies, des exudats, des microanévrismes, et se termine par de grosses lésions du fond d'œil qui conduisent à la cécité. La dégénérescence maculaire liée à l'âge, maladie de la sénescence, c'est une altération progressive ou brutale de la vision centrale qui rend difficile la lecture, la reconnaissance des visages, la déformation des images. D'après l'INSERM, les dernières statistiques ont dit que on l'a en fait le diagnostic dans 1% des gens de 50 à 65 ans, de 10% de 65 à 75 et de plus de 25% chez les plus de 75 ans. C'est dire que lorsqu'on a les moyens d'en faire le diagnostic dans une population vieillissante, eh bien, cette DMLA s'impose comme aussi un défi sur le plan du diagnostic et de la thérapeutique. Voilà à quoi conduit une lésion de la macula, c'est-à-dire cette grande cicatrice qui rend invalide le patient pour lire et même reconnaître les visages, enfin se
sans toutefois atteindre son autonomie. Il y a deux formes, la forme sèche et la forme humide. La forme sèche représente la majorité des cas. Elle n'a pas de traitement jusqu'à présent. On commence à soupçonner des raisons génétiques qui pourraient conduire à son traitement. La forme humide, elle, qui comporte 20% des cas, bénéficie tout de même de l'injection d'inhibiteurs des néovaisseaux de la rétine au prix d'injections répétées, en général 7 en moyenne, à 3 mois d'intervalle, dont chaque injection coûtait en France récemment, a coûté jusqu'à il y a un an 1 200 € l'injection. Aujourd'hui, 700 € l'injection. Et l'on imagine qu'un tel traitement est totalement inaccessible aux pays aux revenus moyens. Il y a une impérieuse nécessité d'agir, après ce que je vous dis, bien sûr, parce qu'il faut absolument diffuser les moyens de diagnostiquer et de traiter ces affections oculaires qui entraînent la cécité et contribuent finalement à des handicaps extrêmement lourds sur le plan personnel et sur le plan économique. Et il faut essayer, là où les moyens manquent, de développer un enseignement de santé publique en ophtalmologie destiné aux pays les plus démunis. Que peut-on en attendre ? Une estimation précisément des risques, une évaluation des coûts que suppose le dépistage, et ce n'est pas petite chose, le suivi du traitement. Et enfin, comment parvenir à réunir les moyens sans obtenir des tutelles politiques les moyens pour le faire ? C'est ce que nous avons fait, ici même à Rabat, à l'imitation de ce qui a été fait primitivement en Asie, dans le cadre de l'OMS, et avec le concours de l'un de mes collaborateurs à Paris, qui était le docteur Dominique André Négrel, qui avait mis au point un enseignement, dans le cadre de l'OMS, un enseignement destiné aux pays en voie de développement et devant absolument prendre conscience de ces impératifs. Et avec Dominique Négrel, nous avons imaginé en 2004 et 2007 de faire deux cours d'enseignement de santé publique en ophtalmologie. Ces cours étaient primitivement, devaient avoir lieu à Paris ou à Bordeaux. Mais deux sensibilités réunies nous ont fait penser que peut-être ce pourrait être à Rabat. Car Dominique Négrel était né au Maroc. Son père avait été instituteur au Maroc, et moi, je n'ai pas besoin de prouver que j'avais beaucoup d'attachement à ce cher pays. Et finalement, nous avons pensé que la localisation pour tous les Africains, qu'ils soient ophtalmologistes ou coordonnateurs de santé publique africains, il était probablement plus intéressant pour eux d'être réunis à Rabat pour des conditions pratiques, techniques et géographiques. Et nous avons fait deux cours qui ont pu se mettre en place grâce au ministère de la Santé marocain, grâce au ministère des Affaires étrangères françaises qui a pu toucher toutes les ambassades du monde africain, et aussi la Fondation internationale du Lions Club qui, grâce à la section de Rabat, la section 416 de Rabat, et grâce aussi à la participation de la Direction de l'épidémiologie contre les maladies du Maroc, de l'Institut national d'administration sanitaire du Maroc et des amis marocains, dont je ne saurais trop remercier ici la collaboration, nous avons pu former et évaluer les médecins, les ophtalmologistes et les gens s'intéressant à la santé publique de tous ces pays qui sont cités là, un 19 pays qui ont apprécié les 6 semaines de cours à 2 reprises que nous avons données en ce pays et qui ont le souvenir d'un accueil, l'accueil si typiquement chaleureux des Marocains, et aussi des conditions dans lesquelles l'enseignement leur a fait que nous ne pouvions que souhaiter accomplir les 5 cours qui étaient prévus, qu'on a pu malheureusement
qu'on n'a pas pu malheureusement accomplir pour des raisons diverses, mais dont nous n'avons qu'un espoir à l'Organisation pour la prévention de la cécité parisienne, dirigée désormais par Serge Reznikov, qui fut directeur des affaires dépendant de la vision à l'OMS, de reprendre des liens avec nos amis marocains pour continuer à répandre les bonnes manières de lutter contre ces handicaps très cruels que sont le diabète, le glaucome et la DMLA dans notre chère Afrique. Je vous remercie.